السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بونجور تو لوموند، جيسبيغ فوز تري بيان. اليوم لدينا شرح درس كتاب اللغة الفرنسية للسنة الرابعة ابتدائي، الصفحة 65 والصفحة 66. بالفعل نبدأ على بركة الله. الدرس الأول يخص لو برونو بيرسونيل إيل. لقد رأينا سابقا بأن إيل أو سينغولييه يخص النو ماسكولين سينغولييه، يعني يخص الاسم المذكر المفرد، وإيل يخص النو فيمينان سينغولي، أي الاسم المؤنث المفرد. قلنا بأننا يمكن أن نستبدل بهما لو غروب نومينال سوجي، دونك إيل أو إيل سير أ رومبلاسي لو غروب نومينال سوجي. الآن سنتعرف على أن أوتر برونون بيرسونيل الذي هو إيل. إيل سير أ رومبلاسي لو غروب نومينال سوجي ماسكولين بلوريال، يعني هنا إيل يمكن أن نستبدل به الفاعل عندما يكون مذكر جمع. لدينا هنا مثال: ياسين وماجد بريبار لا فيت. ياسين وماجد يحضران الحفلة. ياسين ستانون دان غارسو، ماجد اوسي. إن هنا ياسين اسم ولد، ماجد اسم ولد. ياسين وماجد سي لو غروب نومينال سوجي، بريبار سي لو فيرب، دونك كي بريبار لا فيت سي ياسين وماجد. هنا on peut remplacer Yassine et Majid avec il au pluriel. Nakolo, il prépare la fête. Mithal akhar, les garçons préparent la fête. Le groupe nominal sujet ici, c'est les garçons. Prépare, c'est le verbe. Qui prépare la fête, c'est les garçons. C'est un nom masculin pluriel. Huwa ism mudhakkar jama'. On peut le remplacer par il au pluriel et on dit il prépare la fête. الآن نمر إلى مثال آخر. Les élèves révisent les leçons. Les élèves c'est le groupe nominal sujet. Révise c'est le verbe. Qui révise les leçons? C'est les élèves. Donc, puisque les élèves c'est le groupe nominal sujet, on peut le remplacer par il et on va dire il révise les leçons. الآن السؤال الذي يأتي في الاختبار بخصوص هذا الدرس هو complète par il. Donc complète par il, elle ou bien il au pluriel. يقول لك اكمل بإيل أو إل أو إيل. يعطي لك عدة جمل، يترك لك فراغ وأنت تختار quel pronom tu vas mettre pour compléter le vide. هذا فيما يخص درس لو برونون بيرسونيل إيل. نمر إلى الدرس الموالي. الدرس الموالي هو لو سي أو دي. رأينا في الدرس السابق بأن لا فراز، الجملة في اللغة الفرنسية، تحتوي على العناصر الأساسية التي هي لو سوجي إي لو فيرب كونجوغي، أي الفاعل والفعل المصرف. اليوم سنتعرف على عنصر آخر الذي يتمثل في لو سي أو دي، يعني لو كومبليمون دوبجي ديريكت. Le COD vient après le verbe. يعني généralement, عامةً, le COD يأتي بعد الفعل. Pour trouver le COD, لكي نجد le COD, يعني le complément d'objet direct, هنا direct, لماذا؟ لأنه يأتي مباشرةً بعد الفعل. Pour trouver le COD, on pose la question sujet plus verbe plus qui. مثال, Yassine invite son ami. Invite c'est le verbe, Yassine c'est le groupe nominal sujet. Yassine invite qui? Donc Yassine invite son ami. Son ami c'est le COD. مثال آخر. Sujet plus verbe plus quoi? Maman prépare un gâteau. Prépare c'est le verbe. Maman c'est le groupe nominal sujet. Donc maman prépare quoi? Maman prépare un gâteau. Donc, un gâteau, c'est le complément d'objet direct. Donc, qui est à la coupe les personnes, l'achras, ou quoi est à la coupe les objets, l'achia. Mithel, il achète un livre. Houa, yachteri, kitab. Achète, c'est le verbe. Il, c'est le groupe nominal sujet. Un livre, c'est le COD. Il achète. Quoi, puisqu'un livre c'est un objet. Il achète quoi? Il achète qui?
Il achète un livre. On a bien un il, c'est le sujet, ou bien c'est le groupe nominal sujet ou un chez. Achète, c'est le verbe. Un livre, c'est le COD. Achète un livre, c'est le groupe verbal. Donc, le COD et le verbe forment un groupe qui s'appelle le groupe verbal. السؤال الذي يأتي في الاختبار فيما يخص هذا الدرس يقول لك par exemple souligne le sujet encadre le verbe et entoure le COD ou bien sépare les groupes de la phrase suivante le groupe nominal sujet et le groupe verbal هذا فيما يخص درس le COD الآن ننتقل إلى الصفحة 66 رأينا بأن 1 C'est un article indéfini, une kedalik, mais au singulier. Un pour le masculin, une pour le féminin. Pour le pluriel, on dit « di ». Un livre, 10 livres. Une gomme, 10 gommes. Il y a les articles définis. Là, pour le féminin singulier, le pour masculin singulier. Elle apostrophe pour le féminin et le masculin qui commence par une voyelle ou un H muet. Les pour le pluriel, masculin et féminin. Dans le cas, on aura un exemple premier. Yassin est un grand garçon. Yassin est un waladon kabir. Grand ici, c'est un adjectif. Le nom qualifié, l'isme mansouf, est garçon. L'adjectif est placé avant le nom. On a le déna Yassine est un garçon. Un c'est singulier. On a le déna djumla fait le mufrad. La djumla le mouali est l'an. Yassine et Majid sont. Bima annahuma waladan. Donc, c'est, on a ici le pluriel. Yassine et Majid sont deux grands garçons. Bima d'akulna deux walaysa des. Le pluriel, pourquoi? Parce que ici on a grand, on a que c'est un adjectif. Garçon, c'est le nom qualifié, ou l'ism moussouf, c'est le nom. Donc, bima anna al-sifa atat qabla l'ism, fa innana la naqulu des grands garçons, wa innama deux grands garçons. Yassine et Majid sont deux grands garçons, pourquoi? Parce que l'adjectif est placé avant. Le nom. Et là, puisque l'adjectif est placé avant le nom, on dit de et non pas des. Mifel. Mira a une belle poupée. Mira la deha dumia jamila. Belle ici c'est l'adjectif. Poupée c'est le nom. Donc l'adjectif est placé avant le nom. Ici on a le singulier. La phrase suivante. Mira a deux belles poupées. Ici, on a dit « deux » et non pas « des ». On a « deux » ou « on a « des ». Pourquoi? Parce que l'adjectif « belle » est placé avant le nom « poupée ». Donc, on dit « Mira a de belles poupées » et non pas « Mira a de belles poupées ». Elle fait meilleur chose le halal ou la. Lorsque l'adjectif se place après le nom, on dit « un vélo » vert daraja khadra des vélos verts le dina un vélo singulier mufrad des vélos jama vert c'est quoi c'est un adjectif vélo c'est le nom donc l'adjectif est venu après le nom donc on va dire des vélos verts et anna l'adjectif est venu après le nom. Al-sifa était ba'da al-ism. Misal akhar, une voiture rouge. Rouge, c'est l'adjectif. Voiture, c'est le nom. Ici, au singulier, au pluriel, on dit des voitures rouges. Rouge, c'est l'adjectif. Voiture, c'est le nom. Donc, on va dire des voitures rouges et non pas de voitures rouges. Et un nom, l'adjectif est placé après le nom. Vous avez vu le nom de l'aujourd'hui?
أتمنى أن تكونوا قد استفدتم وأن الفيديو قد نال إعجابكم. رمضان كريم للجميع، شكرا على متابعتكم والسلام عليكم.